Ah, les années 80. Je sais pas pourquoi toute l'audience adore tout le temps quand je fais ça, c'est terrible. Ça va rester mon épitaphe, je pense. Comment ça va? C'est Vendredaille, courage. La ligne d'arrivée n'est plus très loin. L'arrivée vers quoi? Ah, je vais pas vous le dire, il y a plein de croix et des pierres tombales dedans. Beaucoup de bonne humeur aujourd'hui. Oui, bah il faut bien qu'un gars s'en occupe parce qu'apparemment je vois personne d'autre, Coluche est mort. Vous êtes dans la merde hein, si vous voulez rigoler, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui on va aller dans un cut-em-up, ça va être bien. Et puis je vais vous raconter l'histoire. Un cut-em-up que je découvre. Je finis le setup, ça sera pas mal. Alors, d'où sort ce cut-em-up? Eh ben, je suis vachement content parce que c'est le commentaire d'un viewer de The Big Gamowski et il a aimé une émission, puis il a laissé un petit commentaire et une suggestion de shmup. Eh les gars, vous retenez pas, faites comme lui, hein, et il faut pas qu'il soit isolé comme ça. Donc, merci à toi, Wukishi, alors je sais pas si je prononce bien ton pseudo. Et il m'a donc conseillé The Tawashi. The Tawashi dans ta gueule? Oui, ça sonne un peu comme truc de judo, je sais pas. En me disant c'est un cute mob qui doit être pas mal, mais qui est hardcore. Alors je vais peut-être morfler, hein. Mais on est là pour se marrer, c'est... Bah oui, faut qu'on se marre. Si on se marre pas, je sais plus ce qu'il faut faire. Bon. Tutoriel, putain que oui. Parce que je sens qu'il va y avoir des misères. Ça, c'est moi. Je suis Tawashi. Alors j'ai un truc autour de moi. Non, non, pas les quais, pas les quais. Moi, le pad, il marche, voilà. Et il y a une version téléphone. Ok. J'ai les tirs. Piu-piu-piu-piu-piu. Ça court bien. Alors, je vous rappelle que ce commentaire, je l'ai eu, cette suggestion, suite à la chronique d'un jeu qui était le cul entre deux chaises, entre le gameplay classique shmup et puis celui des tout. Et j'ai expliqué pendant ce stream que j'étais pas très tout. Moi, je suis pas bon à ce truc. Ok, on peut appuyer escape, menu button, très bien. Et du coup, je me demande quel gameplay va me dévorer dans ce jeu qui est très 8-16 vitesses. Et qui j'espère va être vraiment élevé. J'espère qu'il sera pas trop énervé non plus. Autoplay, on y vient. Yes. Bah tu shoots les ennemis, ça va. Et tu ramasses les je sais pas quoi. Je les ramasse. Bon, ça va, c'est visible, vu que c'est très très net à l'écran. Bon, ils sont un tout petit peu attirés vers moi, les bonus. Ah, je récupère en fait nos prisonniers. Et ça fait quoi si j'en récupère vraiment tout plein par des points? Ah, chérie, tu veux me dire? Dis-moi tout. Ah, ouais, oui, ça vient du score, mais j'aurais mieux préféré que ça vienne, bah, je sais pas, je vais te suggérer un peu le truc. Une super bombe. Non. Non. Je vais faire ma tête de l'eau. Oh, il y a plein de cadavres. Je peux tous les prendre, mais il n'y en a qu'un actif, ok. J'ai rien compris. Pick up des armes. Ouh, je vais pouvoir mettre des coups de poing. Ça fait trop là, madame. Alors, je vais voir si j'ai un autre bouton ou non. Si, j'ai réussi à balancer une bombe, je crois. D'accord. Mais bon, on a droit qu'à un bonus actif, hein. Faut bien faire gaffe à ça. Il y a même un chrono qui m'a dit combien de temps il reste de tuto. Bon, bah, à droite. Sous le logo, pas de bol pour vous. J'aurais lu mon petit cœur. Un petit problème à faire. Attends, j'ai joué à des plus méchants que toi, quoi. Pititon, là. Oupinaise. Ça rasait un petit peu, là. C'est une Xbox, je sais pas ce que c'est. Ça doit pas être le gros bonhomme, je pense. Ce sera un peu déplacé. J'ai pas eu le temps de dire la dernière phrase, madame. Madame, on peut refaire. Madame, if you want to move, quoi. Oui, ben c'est ce que je fais. Hein. Voilà, là on bouge très doucement. Si
C'est même ultra doucement, hein. Même dans les pieds, ils font pas ça. Ah, c'est à moi ça. Merde, il est parti. Shoot the ground. Avec quoi? Oh, ils ont pu mettre tout sur la gâchette aussi. Ça va être le bordel sur cet écran, je pense, ça va être marrant. Parce que c'est beaucoup trop gentil comme, comme introduction par rapport à ce qui m'attend, j'imagine. Ah d'accord, faut passer dessus. Hein. Ok, je savais pas que t'es qu'on est vraiment passé sur les bonus. Alors il y a une petite inertie dans le... J'ai l'impression qu'il se prend une toute petite inertie quand on bouge. Qu'on garde appuyé en même temps et sans garder le ralentissement réel appuyé qui nous touche. Ok, faut bien que je pense à ramasser les trucs sur le sol parce que là j'ai une tendance à passer à travers sans trop faire rien. Je peux passer dans, dans ces trucs. C'est juste que ça gêne mes tirs, ok. C'est marrant avec ces petits points, j'aurais bien imaginé que comme dans un jeu, c'était dans Bomber X, je sais pas quoi. Il y avait un jeu où... Essayons, on commence pour vrai. Ah, on peut changer la difficulté levelée, c'est-à-dire qu'il a juste son ranking. Par rapport à mon gameplay, c'est ça. Et donc oui, il y avait un jeu comme ça où on pouvait mettre des... Non, c'était Captain Tomato. Captain Tomaday. Voilà, j'y suis arrivé. Et pareil, il y a le même genre de petit perso, à part qu'il peut mettre aussi des coups de poing. Et c'est assez rigolo parce qu'on peut saisir les vaisseaux ennemis et s'en servir comme arme pour les balancer sur les suivants. Trop d'excitement, les gars. Trop d'excitement. Je veux y aller. Record highlights automatically, yes. Alors, on y va. C'est quoi? Setup, machin, jouer. Alors faut pas se laisser leurrer souvent par les graphismes enfantins de ce genre de jeu. Puisque en fait, ils sont bien loin d'être des trucs pour les mineurs. Hein. Le premier niveau, bah, c'est un peu la face du tout, donc on n'est pas trop méchant avec vous. Mais en général, bah, c'est la coutume. C'est au troisième niveau d'un shmup qu'on voit ce qu'il a dans le ventre. Et il va pas m'attendre de troisième niveau, dites-donc. Alors du coup, la lecture, quand même, c'est le bordel pour les vieux. Eh oui, les vieux, ça existe, un peu saisi. Pas de moi parce que là vous savez bien. Mais. Ouais, la lecture ça va être un peu le bordel à l'image. Voilà, je pense que je connais pas encore mes armes et il y a des moments où il va falloir que j'en choisisse certaines plutôt que d'autres. Ouais, moi on est arrivé. Salut la reine, la princesse, là, ce que tu veux, t'as l'air énervé. C'est ta vie ça, le truc qui baisse pas. Parce que je commence à me poser une question. Je tata win. Ah, j'ai ramassé je sais pas quoi mais c'était énorme. Alors du coup je crois qu'on n'a pas de méga bombe. Marrant. Ah cette ambiance. Quelle ambiance là. Oui c'est bien plus le bordel à l'écran. Ça va, ça reste lisible. Donc c'est pas... C'est pas comme Rangok Skies par exemple, qui m'a quand même... qui m'en a mis plein la tronche ce jeu. Pas par ses patterns qui n'étaient pas particulièrement innovants, et son gameplay qui n'était pas non plus, mais il était bien foutu et... Et son idée de bonus à ramasser pour se refaire une bombe, c'est...
c'était du des plus gros lion, je crois bien. Oui, c'est ça le plus long. Oh putain, j'avais pas vu sa bouche. Je veux bien crever, crever. Non, vous avez pas trop envie, les gars. Les gars, ils s'en foutent. Big golem, vite à moi. Ah. J'aurais bien aimé avoir ma hitbox matérialisée, parce que là, il y a des moments où je me demande comment je passe. Vraiment. Really. Je prends tout. Non, tire pas derrière. Oh, le moment petit raid par derrière. Non, ne me dites pas ça, les gars. Vous connaissez la tradition dans The Big Game of Ski. Pas par derrière. C'est fourbe, c'est traître, c'est lâche, c'est pas gentil. Et c'est très déconcertant, souvent. Alors, les patterns sont rigolos, parce qu'ils sont inspirés, et ils ont quand même leur petit style à eux. C'est assez agréable. Le truc est pas trop dur. Voilà, je rigole, parce qu'on est contre le début du jeu, mais... Je pense que quand il va vouloir mettre la panique, il aura aucun problème, le truc. Merde. Double merde. Ça y est, je suis plus dedans. Bah, ça tombe bien qu'il soit mort. Mais j'ai pas compris ce que c'était, cette espèce de barrière à la fin. Alors, l'autre truc bien, c'est que les niveaux sont assez longs, du coup. Parce que je sais pas combien de temps il va durer, celui-là, mais... efficace, le pépère. Next, yes. Mes viewers sont formidables, je ne cesserai de le répéter. Petit singe. C'est dragon, le truc. C'est vraiment un vrai cul de meuf. J'ai raté mes bonus à force de me marrer. Alors, je vais peut-être remonter un peu la musique parce qu'elle a l'air bien comique elle aussi. Ouh, il est content. Ouais. Alors les gens qui débarqueraient, qui n'auraient jamais essayé ce genre de jeu, ils doivent se dire, mais monsieur K, tu fais semblant de t'éclater dans ce truc tout dégueu. Bah non, vraiment. Prenez un pad, essayez. C'est ma recommandation. Parce que le truc qui a la route, il est super équilibré. Il a un gameplay marrant. Là, il fait ce qu'on lui demande. Il n'y a pas besoin que ce soit des vaisseaux en retracing. Hein. Il est chanceux, ça, je sais moi. Rapide monqué. Non mais j'ai cru qu'il voulait pas crever. Et j'ai récupéré un pot de chanvre. De chanvre. C'est ce qu'on met dedans ou pas. Du chanvre. Non, c'est pas ça. Okay. Sa mère. Ah oui, pour ça qu'il y a la touche pour ralentir les gars. Mu. Pas trop ralentir. En fait je m'en sors mieux en ralentissant pas, j'ai l'impression. Il chie ce pattern. Oh la vache. Tu voudrais bien crever man. Man. Merci. C'est pas fini. Oui, les niveaux sont longs. Alors ça fait plaisir, vraiment. Merde, je me suis confondu avec un bonus. Faudrait vraiment que j'apprenne à savoir, à connaître à quoi correspondent ces armes. Crabe, faut pas le laisser ça, vous allez, ça sent le crabe, justement, la marée. Piu, oui, c'est ça. Piu, vas-y, piu, moi aussi. Je peux piu-piu-piu tant que tu veux. Tu vas crever, je te le dis, hein. c'est pas un scoop. Moi non. Moi je ne crèverai pas. Attends, j'ai pas eu l'idée d'avoir. Il y a du monde qui s'est installé sur l'écran, c'est moi. Ouais, ça. Ah, c'est bizarre, j'ai pas de super bon quand même. Ça c'est des tirs, masse basse. C'est des moments où on se mélange un peu les pinceaux quand on débute. Mais tu me prends pour qui, toi? Tu sais combien j'en ai bouffé, les chemins? Tu sais combien j'en ai bouffé? Bon, bah, arrête-toi vite. Arrête ton cire. Fais-moi un autre pattern avec des poils, quoi. Je suis désolé, les singes. Hop, là, on y retourne. Qu'est-ce qu'on me donne comme bonus? Oh, le rouge, ça a l'air bien, le rouge. Oh, ouais, c'est beau, ça a sorti à mon bonhomme. À mon tamoshi. Boss ou c'est moi? Ouh, qu'il a l'air colère lui. Mais regardez, c'est le gros méchant babu qui sent et qui pue. Il s'est échappé de Mushi Mesama. Oui, souvenez-vous, l'avant-dernier niveau, c'était lui. Ils étaient plusieurs et il foutait un bordel monstre. Là, faut ralentir vraiment quoi. Vous ralentissez pas, là, ça va y avoir des problèmes. Hey man, tu vas mettre combien de jours à crever?
Man, man, je te cause, c'est à toi que je parle. Arrête, me tire pas maintenant dessus parce que t'es trop près de moi là. J'ai pas prévenu, écoute là. Ok, les boss qui écoutent, j'en ai encore jamais rencontré dans des jeux. Oh le con. C'est flamme, mais oui. Il me met la pression, ce machin tout choupi là, c'est horrible. Je vais descendre. Ah, pas à bout portant. Fan de 60s, petite baby doll. Faut relâcher un petit peu hein, le bouton qui ralentit de temps en temps parce que faut pouvoir se glisser à des endroits un poil plus safe que ce qu'on a soulevé. Du coup, j'ai pas vu ce que je lui ai pété. Je rigole, il est mort. C'est bon ça. Nota, ses tirs ne disparaissent pas de l'écran quand il explose, l'enfoiré. je retiens. Et en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de ramasser des goûts. Donc on va jouer à boire de goûts juste après. Ah bah ça me semble logique. Oh il est. Des cadeaux. Qu'est-ce que je vais me prendre dessus avec. Je vois pas trop ce que ça change aussi, ça me fait un peu plus. Oula, calmons-nous les grands. Eh non mais chez vous êtes de mauvaise humeur, vous auriez préféré avoir un vendredi que vendredi chômé. C'est on peut pas tout avoir ce qu'on veut dans la vie, s'il vous plaît. Warning, il y a déjà un truc qui pue qui arrive. Je pense que je vais aller mieux. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous les gens. Calmez-vous. Ça s'est pas trop mal passé, mais eux s'ils viennent à 3, je donne pas cher de ma peau, franchement. Je pense que je vais pas faire un pli. What's it? Quoi? Quand? Pourquoi? J'ai rien fait, moi je suis innocent, je découvre le jeu, je voulais le faire voir aux gens. J'ai le droit de passer à travers, c'est vrai, mais pas les boulettes. Oh purée. Il y a des petites habitudes à prendre pour profiter des particularités de ce jeu, parce que... Merde, là j'ai plus de boulettes. Ça me fait. Bon, cassez-vous les trucs là, je supporte pas ça, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas gentil. Respect the Elder, je ne cesserai de le répéter maintenant, je m'en profite. J'ai l'expérience à... Non. Et l'expérience et le charisme qui va avec. C'est super important, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je peux bullshitter n'importe qui, quoi. Et ça, c'est un pouvoir que seuls les vieux peuvent avoir. Les jeunes, c'est pas la peine d'essayer, vous n'avez pas le niveau de charisme. Oui, il faut plus de 200. Et puis il faut des buffs aussi. Non. Pourquoi? Hein? Cette invasion ne passera pas. Je suis mort. Je suis malheureux. Comment je me débarrasse des trucs derrière? Non, it's not possible. I can't. I believe I can fly. Ah, c'est le petit triangle, ma hitbox en fait. Ah putain. Parce qu'il apparaît quand on ralentit. Et là, bah vous allez rigoler, moi moins, puisqu'on va se mettre le jeu en mode hardcore, et j'ai un peu de mal à imaginer en fait. Nip, difficulty. Ah bon, non. Oui. Pour toi, viewer. Oh putain, ça va être chaud. Go! On y croit. Mourez tous, je vous déteste. Crevez, bande de racailles du cosmos. Oh putain, c'est plus le même jeu. Oh là là, je vais pas faire le malin. Mais alors vraiment pas. Mais il est déjà là lui. Ah là là. Quel rire hystérique. C'est dans ma tête. Oh purée. Bip. J'ai un court-circuit du cerveau là. Ah non. Calmez-vous les gars. Oh, j'ai pas fini mon café là moi. Hein?
Donc les gens qui disaient que ce jeu d'apparence tout con, hein, et il vaut pas grand chose, on va changer d'avis un peu là, parce que, je sais pas, regardez, il vient de se passer quelque chose. Hein? Quel rire hystérique, je ne vois pas de quoi vous parler. Je vous rappelle qu'on est le matin quand j'enregistre la partie version dure. Et du coup, j'aurais peut-être pas dû prendre ça comme petit-déj. Ma recommandation, le petit-déj boulette, évitez, tant que faire se peut. C'est pas fait pour... Le foie va pas aimer. Oh la vache. Oh non. Oh. Oh putain, il tire de plus en plus gros les mecs. Alors je crois que apparemment il y a une hitbox qui est plus petite aussi sur les tirs ennemis, je crois. Quoique, avec ma hitbox déjà qui est rikiki, la moitié du job est fait. Merde. C'est juste que je me décale un petit peu. Vous aurez vu la version hardcore du jeu. Vous qui naïvement imaginiez que ce truc allait se laisser faire. Non, The Taweshi, il est pas là pour ça. Il est là pour vous amuser. Après, pour vous faire peut-être un peu bosser la chemapitude en mode médium. Et alors, en mode hardcore, bah, on a bien vu ce qui s'est passé. Je vous laisse avec ma conclusion que j'avais enregistrée sur le premier stream. La découverte. Quelle expérience que de vivre dans la choupitude, comme ne dirait pas Roger Hauer. Oh là là, est-ce que j'en refais une? Ouais, je sais pas. En tout cas, le jeu est très recommandable, c'est clair. Recommencer? Ouais, non, mais on va retourner au home. Puis j'en ferai une après, que je me serai calmé, parce que très très honnêtement, j'ai eu ma montée d'adrénaline. Oui, les chemins, on les aime aussi pour ça. Donc le truc, vous avez vu ça? C'est tout choupi. C'est tout plein de gros pixels. On se dit, c'est quoi cette connerie? Et puis en fait, une fois qu'on a le pad dans les mains, on commence le premier tableau et on fait... Non, ne me parlez plus de toi, j'ai fait jouer, c'est bon. Donc c'est un jeu totalement réussi, effectivement. Si je publie cette chronique, eh ben, je vous laisse avec les playlists habituelles, et puis moi, je vais me refaire une partie tranquille. A plus.